pour moi, j'imagine, ça pouvait être mon petit-fils. J'ai un petit-fils qui a 17 ans. Tout le monde est choqué, quoi. Tout le monde est choqué, petit, grand, voilà. On est là juste pour rendre hommage à Naël, tout simplement. Si j'ai jamais été braqué par une arme, j'ai des amis qui m'ont été. Moi, j'ai eu des contrôles de police qui me concernent, qui sont très très mal passés, dans lesquels j'ai pu être victime de violences, d'insultes de la part des forces de l'ordre. Et forcément, quand je vois Naël, je me dis que ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un de ma famille ou n'importe qui, et ça me fait d'autant plus le cœur. J'ai été choquée, mais pas surprise. Profondément choquée et traumatisée, ça fait deux jours que j'en pleure, que je dors pas, mais j'ai pas été surprise. Et malheureusement, je me suis dit un de plus. C'est horrible de se dire un de plus. Mais moi, je veux une justice juste. Je veux pas une justice de classe, je veux pas une justice raciste qui fait la différence. Je veux pas une justice qui laisse des Sarkozy et des filles en liberté et qui ensuite gracie des policiers qui ont tout simplement exécuté un enfant. On laisse la justice faire son travail, tout simplement. Parce que sinon, on peut pas faire justice nous-mêmes. Ça sert à rien d'aller brûler la voiture du voisin, casser la porte de l'autre. On cherche juste le calme qui revient, c'est tout. Ces violences, pour moi, c'est une forme d'appel à l'aide, c'est une forme de secours. Et il faut l'entendre, c'est comme ça que la jeunesse aujourd'hui a décidé de s'exprimer. Et bien sûr qu'il ne faut pas la cautionner, il ne faut pas dire d'aller plus loin, mais il faut quand même essayer de la comprendre, essayer de trouver des réponses à ça. Nous, ce qu'on attend, en fait, c'est que c'est pas que la vérité soit faite, la vérité, on l'a. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit reconnue par la justice et qu'elle soit appliquée. Parce qu'on sait tous ce qui s'est passé.